Dans les touffus buissons résonne un livide appel, auquel répond déjà toutes les longues plumes noires et blanches de la forêt, se frayant un chemin à travers les branchages pour laisser apparaître leur éclatant plumage. Myriades de flèches brillantes, l'éclat irisé se dédouble. Alerte, nombreuse et assidue, plus d'une pie bavarde a répondu. La pie bavarde est omnivore, faisant de tout son repas, des graines, des insectes, de la viande. C'est cette faculté qui lui permet de se développer à la fois en milieu urbain et rural. En ville, elle compte principalement sur les déchets de l'homme, mais aussi sur les autres espèces d'oiseaux, dont elle consomme les jeunes et les œufs. Habituée à la prédation sur les nids, c'est donc pour cela qu'elle en construit plusieurs, afin de créer des leurres. Lorsque la pie a elle-même des jeunes, c'est alors que les appels deviennent récurrents. Or, redécouvrons donc ces appels brefs et grinçants, toujours en mouvement. Vous savez désormais comment appeler une pie. C'est une succession de pkia, pkia, parfois doublée en pkia, pkia, suivi d'un rire un peu sifflant. Je n'allais tout de même pas vous laisser sans vous montrer ces si beaux reflets.